vous êtes des héros. Vous avez participé ensemble pour diverses raisons. Vous étiez un peu des mercenaires de la Ligue de l'Enduin, qui vous avez été engagés pour aller piller une cité-état qui faisait un peu de, comment dire, un commerce déloyal. Enfin, c'est ce que disait la Ligue de l'Enduin. Hein. Bon, bref, vous y êtes allés, vous avez été bien payés, vous avez bien pillé la ville. Et maintenant, on commence, vous êtes donc sur le navire, sur le chemin du retour, pour rentrer à Lagash et bah, célébrer un peu votre victoire, accompagné bah, d'autres soldats sur le navire. Et ça nous a rapporté en tant que mercenaires une petite somme. Ah oui. Bon, vous êtes un peu servi hein, pendant le pillage de la ville, en plus de votre paye de mercenaires. Plus que vous êtes des héros, donc des mercenaires héros, c'est sûr. Ça rapporte. Bon, là, vous avez réussi à mettre de côté quasiment 1 000 drachmes chacun, ce qui est D'accord. un joli début. Parfait. Et je me suis rapporté un petit cristal trouvé sur un Ah, autochtone. t'as tes cristaux de cardia, oui, donc, ça c'est certain. Mais forcément, tout n'est pas si simple, hein. Tout n'est pas si simple, vous vous en doutez. Allez, on va commencer. On va prendre le premier jet de la partie. Vous allez tous me faire un petit jet de perception plus marin, s'il vous plaît, avec une difficulté de 14. Perception plus marin, ouais, c'est pas mal. Ouais, j'ai fait un joli 13, je crois. Oui. Ah bah dis donc, il y a une équipe de Moi champions. j'arrive, moi j'ai 16, moi. J'ai pas mis mes 3 en perception, mais ça change pas grand-chose. Ah oui, c'est vrai que les centaures, c'est pas. Ah, t'es pas Ouais. forcément très à l'aise sur le bateau, tu sais, ils Non. tanguent, faut que tu t'ajustes comme ça avec sur tes quatre pattes, c'est. Oui, Tu je sais suis pas bien faire accroché le dans un bouchon coin. encore, hein. Toi, c'est peut-être pas ton truc. Je suis accroché à un cordage quelque part. On fait comme on peut. Du coup, qui a réussi? Y a que. Du coup, y a que Vidra? Bon, bah écoutez, ceux qui ont échoué, vous êtes assez. Ouais, bah vous. Vous êtes assez joyeux, quoi, depuis le chemin du retour, quand même, avec les autres soldats, vous chantez, vous jouez aux cartes, vous buvez le vin que vous avez pillé, donc voilà, c'est quand même plutôt joyeux comme ambiance, hein. Oh ouais. Voilà, vous jouez un peu de musique, mais bon, commencez à vous poser des questions, parce que là, vous voyez que le navire commence à s'avancer dans un épais brouillard. Et Vidra, toi par contre de ton côté, tu as quelque chose qui t'interpelle parce que tu as très clairement vu le timonier changer l'orientation du navire pour se jeter droit dans ce brouillard extrêmement dense. Ben, je vais le confronter, je vais lui dire, mais écoute, apparemment, vaudrait mieux éviter ce brouillard, on n'y voit rien là. Bah, alors tu donc tu t'avances tu t'avances vers le poste du timonier tu le quand tu le vois de près donc c'est un homme assez corpulent avec des bras extrêmement musclés quoi, parce qu'il faut tenir quand même le bateau hein, c'est pas n'importe quoi et là tu vois il a les yeux écarquillés complètement normal t'as beau lui parler il te répond pas tu passes ta main devant ses yeux il bouge pas il ne cligne pas des yeux. Ça commence à être un peu terrifiant. Ben, écoute, j'ai toujours une petite fiole de gnôle que je distille moi-même. Du coup, je lui en fais boire un petit coup pour lui donner un petit coup de fouet, lui sortir de sa torpeur ou de je ne sais trop ce qui lui passe. Ok, donc t'essaies de lui ouvrir la bouche de force, c'est ça? C'est C'est ça, un petit ça? coup de gnôle, quoi. Rien que le fait de le Alors, renifler, à mon avis, ça devrait lui donner un petit coup de fouet. Hein. Eh bien, écoute, C'est moi alors qui l'ai qu'il. fait. Ah, Et bonne. le satyre fabricant d'alcool, ça c'est pas mal. Mmh. Bah écoute, alors tu commences à faire ça, et là tu vois qu'autour de toi, le spectacle le plus insensé qui ne t'est jamais arrivé, tu vois plusieurs lames, plusieurs glaives autour de toi qui flottent en l'air, tenues par rien, et qui s'avancent de façon menaçante vers toi.
Ils sont trois et ils t'encadrent. Les gars, il y a un problème là. Prinos, puis-je te demander un jet de perception plus flux? Pour voir si tu as senti le flux de cardia. C'est combien la difficulté? La difficulté, c'est. Bah voilà, tu vois, c'est important. Merci. Toujours, toujours je la donne avant, du coup. Donner difficulté 14, parce que a priori, tu ne t'inquiètes pas du tout à ce qui se passe à côté du témoignier, hein, puisque tu n'as pas vu. Et allez, échec critique! Mais du coup, ah oui, mais t'as relancé les dés, t'as fait échec critique. Ah bah, bravo. J'ai réussi à faire encore moins bien. Donc là, l'échec là, critique, c'est qu'on fait double 1 hein, sur les 2d6. Donc ouais. Bravo Marc, bravo. Mais oui, on connaît tous cette histoire. Ils savent pas se battre, mais leur petit vent est pas mal. Hein. Non, en fait, ouais, désolé, mais bravo à coup critique, t'es complètement bourré. Voilà, donc tu te prends le... Tu es dans l'état vision réduite, en fait, tellement que tu... T'as un peu vraiment abusé de la bibine, hein, faut dire ce qui est, quoi. Du coup, là, non, hein, c'est difficile, hein, c'est difficile. Mais tes blagues ont jamais été aussi bonnes. Enfin, c'est ce que tu penses. Bon, blagues ? Quoi, ils ont toujours été drôles, mes blagues. Quoi ? Très bien. Du coup, Vidra, que fais-tu, toi, perdu ? Parce que, bon, personne se rend compte, pour l'instant, de ce qui se passe. Je lance quelque chose dans leur direction pour attirer leur attention parce que je suis un peu scotchée sur place face à cette Il va événement. Se prendre la flasque dans la tronche. On se prend une flasque dans la tronche. On sort nos armes complètement bourrées, genre qu'est-ce que t'as. A priori, il n'y a que Kyprinos qui est pété. Hein. Les autres, ça va. Ça va un peu plus encaisser. Bon, alors ça va. Donc on reçoit en fait, on reçoit un objet, enfin on voit un truc qui passe devant nos yeux, on reçoit la flasque de Vidra, c'est ça? Tout à fait. Et du coup, quand vous regardez dans la direction de ce projectile, vous voyez le timonier qui tient la barre et ses lames qui flottent complètement dans l'air, c'est très très surprenant. Et Vidra qui est entouré par ces trois glaives qui menacent de l'empaler. Ouh là là. J'essaye de mettre la barre entre le timonier et moi. Tu vois qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Ok. Je vais attraper ma lance et aller au secours de Vidra autant que je peux sur le roulis du bateau. Ça marche. Alors, je pense que ça, pour ma part, à ce stade. L'état du timonier, moi, ça me passe au-dessus de la tête parce que justement, les lames qui flottent, c'est oui, non, t'as même pas vu encore l'état du timonier. C'est vrai que les lames qui flottent, c'est beaucoup plus. Vous avez jamais vu ça, quoi. C'est. J'adore dire ça, mais je dégaine mon trident. Je trouve ça fantastique. Je dégaine mon trident. J'en profite pour te donner quand même une petite claque à Kyprinos. En mode, mais réveille-toi! Oh. ça non, va? Réveille-toi, mon petit gars, regarde ce qui se passe! Et carrément, je le prends un peu par le col, par derrière, genre, mais tu vois ce qui se passe? Et je l'entraîne un petit peu vers ses lames. D'accord, elle m'a écouté. Ouais, mais du coup, je vais demander un petit jet d'initiative. On va faire un petit combat de démarrage. Alors, ouais, donc normalement, vous avez le score d'initiative déjà calculé normalement sur votre feuille. Hein, faut juste donc D6, rajouter le score d'initiative qui est écrit sur la demande de votre feuille et vous me communiquez le résultat. Oui, tout de suite. Dis donc. Ah, j'ai fait que 11. Et que 11? T'es lourdement équipé ou quoi? Plus 14 en jet d'initiative. Plus 14. Eh ben oui, parce que Vidra n'a pas d'armes, n'a pas d'armure. Vidra j'ai des sabots si tu veux. J'ai des corps. D'initiative. Vidra a une flasque d'alcool et en plus, il vient de le balancer. Et du coup, c'est Vidra qui commence. Hein, avec une limite de 20. C'est bien cela. Alors oui, donc t'es à côté du timonier, tu vois ces lames qui flottent, qui se dirigent vers toi. Bon, apparemment tes collègues commencent à venir vers toi, mais voilà,
J'essaye Elles sont menaçantes, ces lames, elles sont. Ouais, j'essaye de raisonner le timonier, tu vois, je lui parle. Je lui dis, mais mon petit gars, parce que c'est un petit gars, en fait. Petit gars. C'est pour me donner du courage. Je lui dis, écoute, on est entre camarades, là. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais? On est une équipe, on est ensemble. Qu'est-ce qui te prend, là? C'est quoi ce retournement de situation, là? Très bien. Bah, écoute, fais-moi un bon jet de charisme plus rhéteur pour essayer de le sortir de sa torpeur, ce timonier. Difficulté 20. Alors, ah oui, je rappelle aussi un autre élément du système. Là, vous avez des points de destinée, au fait, hein. Points de destinée, vous avez chacun, vous en avez deux. Et donc, quand vous utilisez un point de destinée avant un jet de dés, ça vous fait un bonus de plus 6. Après, c'est le début, hein, t'auras d'autres occasions. Mais écoute, du coup, bah ouais, tu lui parles, c'est de secouer, mais t'as l'impression, mais il t'entend pas, il te voit pas, il tient pourtant, il tient le navire, et vraiment, tu le sens qu'il est concentré de tout son corps sur cette tâche, tellement qu'il en oublie, oublie tout ce qui se passe autour de lui, absorbé par là. Du coup, écoute, les lames t'attaquent. Vidra, une des lames essaie de te transpercer. Donc tu as droit à un jet d'esquive pour essayer de l'éviter. Bon, pour la peine, tu l'as bien vu venir, hein, donc on a demandé un jet de difficulté 14, du coup. 14. Allez, pour un non-combattant, c'est pas évident. Ah. T'as beau voir venir le glaive, mais c'est un espèce de mouvement étrange qu'il exécute, et ça te surprend. Ça te surprend énormément. Donc il arrive à t'entailler, à t'entailler le bras. Écoute, tu prends quand même 4 points de dommage. Je suis blessée. Ça commence bien. Ça commence très bien. Ça commence bien. Ça commence bien. Ouais, on verra. Parce qu'après, c'est Kyprinos. Alors, moi, ce que je vais essayer de faire, c'est de faire s'envoler les lames. Tu essaies de faire envoler des lames qui lévitent en l'air, c'est ça? Ouais, je vais essayer de faire un coup de vent, une espèce de boule de vent, comme ça, une bourrasque. Eh ben, ma foi, vas-y, fais-toi plaisir, j'ai envie de te Avec un espèce de vent latéral, comme ça, traversant le bateau pour aller les emmener dans la brume. Alors du coup, ça va être sur déplacer, j'imagine. Oui, va te falloir une puissance de moins 5, hein. Ok. Donc déplacer Avec moins de... 10 mètres, 14, après diamètre, 50 cm. Oui, t'en toucheras qu'une seule. Mais si déjà t'arrives à en Ouais, j'en mettre une touche qu'une seule à seule, terre. 50 cm. Ouais. Et ben, allez, allez, 2 mètres, comme ça je les Moins balance deux. toutes. Et moins 2 parce qu'en plus t'es bourré. Vision réduite. T'as la vision réduite. T'as un Eh peu oui, trop il est bu. bourré. Bon, t'es raté. Damn it. T'as été un peu gourmand. T'aurais pas fait les 2 mètres. Ouais, T'aurais pas fait j'étais les 2 mètres, ça gourmand, serait peut-être ouais, mais passé. Mais là, t'as bon. été gourmand. Tu voulais résoudre complètement résoudre le problème. Et Bah ouais, bah ouais, ben non. balancer tout dans la brume. En attendant, Vidra va se faire empaler. Hein. Bon, ben voilà, c'est comme ça, hein, c'est la vie. Par contre, t'as loupé ton jet, donc tu vas te prendre des dommages de flux, mon cher. Oh, le dégât de flux. C'est un Différence, sort de pardon. difficulté 18, donc tu vas te prendre 3 points de dommage Ah, c'est de sur la flux. difficulté, pas le... C'est vrai, pas sur la différence. Ouais, bah du coup, bah, je prends des dégâts Oui. de flux. Plus t'as un seuil difficile, plus tu prends des dommages. Alors, c'est pas. Ah bah c'est Arcuda. Arcuda qui arrive au galop. Bon, Allez, je finis de rigoler, vas-y Franck. voulais que Vidra essayait de réveiller enfin de faire bouger le timonier, hein. Donc ce que je vais arriver avec ma lance, avec le bâton de la lance, je vais donner un gros coup sur la tête du timonier pour qu'il lâche la barre. Ah oui, d'accord. Voilà. Donc je vais faire une petite frappe précise. Ok, donc toi tu enlèves le timonier. Plus de timonier, plus de problème. Oui, ça me semble évident, quoi. Plus 12. Tu fais Très 17. bien. Ouais, j'allais dire difficulté 16. Il faut pas se louper quand même, hein. Faut pas se louper.
Donc, bah, ok, t'arrives à mettre un coup dans la tête du timonier, qui lâche, qui s'effondre par terre, et qui ferme les yeux, enfin, parce que tout à l'heure, il les avait pas fermés. Ouais. Là, il est effondré sur le coup. Pas de souci. Et tu vois tout de suite qu'il y a les lames qui t'entourent, et deux lames foncent sur toi, pour essayer de t'emballer, hein, ni plus ni moins. Voilà, on va faire des parades. Alors, c'est je me prends deux attaques là? Oui, bon, on va les résoudre l'une après l'autre. Oui. Voilà, donc tu peux faire effectivement un premier jet de parade, donc difficulté 14. Hop, 15 pour la première. Ok, donc oui, bah, pas de soucis, t'as vu. Et 15 pour la deuxième. C'est assez perturbant de se battre contre des lames, parce que tu Oui. sais d'habitude, bon, quand tu te bats, tu essaies de repérer les mouvements des épaules, des pieds, là où regarde l'adversaire, mais là, non, faut juste parer la lame au dernier moment. Mais tu t'en sors. Malgré le bateau qui bouge dans tous les sens, malgré les bourrasques qui essaient de passer, Oh, tu t'en mais sors. les bourrasques quand même, hein. Ok. Pas de soucis. Et donc, c'est Kuros. Alors, oserais-je demander, en fait, avec mon extraordinaire pouvoir, qui est quand même de faire appel à cet esprit qui me possède et qui pourrait quand même me communiquer un petit peu le point faible sur ses adversaires, parce que pour l'instant, je ne vois que des lames, donc mon interprétation, c'est soit c'est des lames qui volent, soit ce sont des personnages invisibles, soit des fantômes. Mais en Alors, fait, esprit, qu'en est-il? l'esprit qui te possède, qui t'a été donné par la déesse Bliss, gardienne des enfers, effectivement, cet esprit te renseigne et assez surpris. L'esprit te dit que non, tu ne peux pas le voir toi, mais oui, ce sont des âmes échappées des enfers qui sont en train de tenir ces lames et d'attaquer tes camarades. Et que donc, bah, le point faible, je sais que c'est sûrement c'est un sorcier qui doit être non loin, qui a fait échapper ses lames des enfers pour prendre ses armes et se battre. Donc si tu arrives à trouver le D'accord. sorcier, toutes les lames s'effondrent. Alors, soit en fait là, du coup, je me fais une petite action touche à tout et je reprends la barre en fait. Ah oui, Et tu peux essayer de reprendre la barre, effectivement, ouais, c'est essayer marrant. d'aller à bâbord ou tribord, on verra, pour en fait s'éloigner un peu de ce brouillard. Là, vous êtes bien dedans, là, maintenant, dans le Ah, on brouillard, est hein, bien ça c'est dedans. sûr. Ah oui, là, vous êtes Marche bien rentré arrière, fais dedans. marche arrière. Marche arrière. Facile, mon gars. Bip, Bip, bip. Oui, c'est un peu bip. comme ça. Et du coup, là, la barre, elle. Enfin, du coup, Voilà, il n'y a l'alchimie, rien. Personne ne la tient, là, donc le navire continue. Voilà. Ok, bon, en fait, moi, je vais faire ça. Je vais. Effectivement, moi, je vais faire une action. Une action, comment dire, une action assez simple pour l'instant de touche à tout. Et en fait, d'aller sur. Récupère la barre. Donc j'imagine, comme je vois la carte devant moi, que c'est variable. Enfin, Oui, tu me dis ce non, que je pense, mais. tu vas faire, en fait, c'est un jet de force plus marin, un jet de force pour arriver à tenir cette barre et lui faire faire ce que D'accord. tu veux, parce que c'est extrêmement difficile. Plus marin. Ok, d'accord. Ouais. Force plus Et marin. Ok. difficulté 18, hein. Ah ouais, quand Faut même. mettre le paquet. Ah ouais, Ah là c'est ouais. difficile. Là Alors, c'est très attends. difficile. Là le timonier il vous a mis dans une situation très compliquée. 12. Là. Damn Tu mets it. toute ta force. J'y mets toute ma force, rien ne marche. Tragique. Bon, bah, t'es là. T'essaies d'y mettre toute ta force, mais non. Ah, tu lâches la barre qui continue à aller où elle veut. Tu ne peux rien. Bon, heureusement, tu n'es pas attaqué par les différentes lames qui ont l'air de t'acharner sur Arcuda. Y a combien de lames au fait? Il y en a trois. Trois. Bah ça m'arrange. Donc là, t'essaies de reprendre la barre, mais non, effectivement, tu n'y arrives pas et le navire continue. Et d'un coup, commencez à voir le brouillard saute et vous voyez la terre. Et c'est beaucoup trop tard. C'est beaucoup trop près. C'est beaucoup trop près. Le navire se prend dedans. Vous êtes projetés dans les airs. Damn it. Tous. Tous, tous. C'est ça. Voilà, vous êtes projetés dans les airs. Ah, je vais vous demander, allez, si, on va être sympa. On va demander, c'est à Kuros et Kyprinos, tous les deux, faites-moi un petit jet de perception. Juste perception. Ouais, perception, bah, plus marin, parce qu'on était sur un bateau.
Si difficulté, bah difficulté 14. Toujours une Oh! difficulté. Oh, fantastique! J'ai fait 19 en tout. Donc oui, alors vous êtes en train de voler, quoi, projeté par le choc. Bon, comme tous les autres membres d'équipage, hein, donc certains, c'est un peu là. Mais tous les deux, alors vous êtes projetés. Il y a une personne à bord que vous reconnaissez, que vous avez croisé tous les deux dans vos vies passées. Eh oui. Donc, bah, Kuros, tu reconnais cet ami que tu as lâchement abandonné? Ah, tu reconnais ce visage, ça te revient. Tu le vois, il est là. Et il saute à l'eau, hein, bien sûr. Et Kyprinos, lui, toi, tu reconnais cette personne, ce psychanthrope que tu as dénoncé parce qu'il rendait pas ses livres. Attends, c'est ça? Eh ben, il est sur 6, oui. C'était Ça, lui. il est sur le bateau. Il est sur le Son petit bateau. nom, tu t'en souviens, c'était Polyope à l'époque. C'est le même? Polyope. Et sur ce, vous Polyope. vous écrasez sur la plage et vous tombez dans les vapes. Et vous rêvez. Vous rêvez. Dans votre rêve, vous entendez quelqu'un jouer de la lyre. Vous ouvrez les yeux et vous voyez un paon marcher devant vous. Puis un peu derrière, juste à côté d'une fontaine, se trouve quelqu'un que vous avez déjà vu dans les gravures, sur les mosaïques. Vous reconnaissez la déesse Pso. Alors. Et elle vous parle, elle vous dit, héros, j'ai une quête pour vous. Vous venez de débarquer sur l'île d'Ergos. Sa population est meurtrie et divisée. Héros, je vous le demande, réunifiez la population d'Ergos. Faites-le pour moi. Ces douces paroles vous touchent dans votre cœur. Et sans plus attendre, la déesse disparaît. Et vous vous réveillez. Quelques minutes, peut-être quelques heures plus tard, après tout, vous n'en savez rien. La tête dans le sable, vous en avez sans doute mangé, vous en avez plein les cheveux, les potes. Mais encore avec ce souvenir d'un rêve si doux. Moi, je leur explique que, vous voyez, c'est ce genre d'expérience qui nous fait élever l'esprit. Tu vois, moi, ça me choque pas, en fait. J'ai l'habitude de ce genre de rêve, de ce genre de perception un peu. Et c'est quelle drogue que Celle qu'elle a jetée sur le bateau. Est-ce que vous savez, le mec que j'ai chassé de la bibliothèque, j'ai rêvé de lui et qu'elle était super belle. C'était super bizarre. À la fois j'avais envie de le défoncer et à la fois j'avais envie de faire tout ce qu'il me disait. C'était incroyable. Qu'il a tout mélangé. T'as pris un gros coup sur la tête. C'est la gueule de bois. Moi, Ouais. j'ai vu quelqu'un que j'ai trahi et ça m'a fait énormément peur. Heureusement, la déesse était là. Et effectivement, elle nous a comment dire, donné une mission. Est-ce que ça nous dit quelque chose? Ça vous dit quelque chose à chacun? Ergos? Ah ben, ceux qu'on savant peuvent faire un petit jet de savant, plus volonté. Alors attends, d'abord une chose, donc le. C'est quoi? C'est Marc, donc ton personnage Kyprinos, bah t'as plus la gueule de bois. Un petit cadeau de la déesse, hop. Voilà. Et sinon, oui, faire un petit jet de savant plus volonté pour voir si vous vous souvenez de quelque chose de l'île d'Ergo, si ça vous dit quelque chose. Donc quand même, c'est pas quelque chose de super courant, Ouais. non? La La difficulté 4. difficulté. Ah, ça serait bien. Difficulté 16. Ah, c'est bête, j'ai fait 15. C'est voir une déesse, ça perturbe quand même. Hein. C'est dur de se concentrer après. C'est Ergo, rien. c'est pas un nom d'un gâteau sec dans. Non? Non. Dans une boutique, oui. Ça me dit quelque chose, quoi. Donc, oui, vous Bon. vous levez, vous êtes sur le sable. Sur le sable, il y a l'épave de votre navire à côté. Il était éventré par le choc. Ben une partie de la cargaison s'est déversée dans la mer. Vous voyez, il y a quand même plusieurs cadavres, parce qu'il y a parle de vos compagnons de route qui n'ont pas eu la même chance que vous d'atterrir correctement, on va dire.
On leur offre les derniers sacrements. Hein, c'est bien. Et nous, quand même. Nous avons encore nos affaires, nos. Alors oui, tu prends le temps de chercher, de fouiller pour retrouver tes affaires. Bah écoute, fais-moi un bon jet de perception plus marin, puisque tu cherches dans un bateau, hein, ça paraît logique. Écoute, j'ai fait un bon 12. Un 12 moyen, quoi. Ah, décidément. Hein. C'est laborieux. Bon, alors tu retrouves tes affaires. Ah. Là, c'est pas de souci. Enfin, tu retrouves tes affaires, oui, voilà. Bon, t'avais ton armure, ton arme, tout ça, tu les retrouves. Par contre, t'arrives pas à remettre la main sur ce que t'avais pillé dans la ville, tiens. Ça a été emporté par les flots, ils sont, on dirait. Grosse déception. Ah, c'est moche. C'est moche. Je vais faire un tour rapide sur les caisses, la cargaison, ce qu'on peut trouver là sur le bord. Voir ce qu'on peut trouver en vivres, en matériaux, quoi que ce soit. Faudra probablement qu'on fasse un campement, trouver des bandages pour ceux qui ont été blessés à l'atterrissage, hein, parce qu'il y a quand même quelques survivants. Dont le timonier qui a survécu. Oui, oh, il s'est pris un coup y avait sur la tête, choix, homme. Hein. Alors tu lui as mis un coup sur la tête, oui, mais du coup il était couché au moment du choc. C'est des bols. Pas moi. Ah, donc voilà, comme ça. Je récupère quelques marins qui ont l'air de tenir sur leurs jambes, et puis on va récupérer du matériel pour essayer de monter un petit campement déjà pour s'installer. Non, bah, écoute, c'est très bien. Donc oui, bah t'arrives à retrouver un peu de nourriture, quelques toiles qui pourront te servir à faire des tentes. Effectivement, ça c'est avant que ce soit emmené par les flots. Si tu le fais rapidement, effectivement, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Tu vois, les marins sont assez déboussolés quand même par ce qui vient de se passer. Puis là, ils regardent au loin, donc ils voient que bah, tout l'horizon est bouché par ce brouillard extrêmement dense. Ils ne voient rien, puis ils voient leur navire en miettes. Donc le moral est assez bas. Donc comme tu prends un peu le lead là, c'est important pour eux. Ne vous inquiétez pas, braves gens, nous allons sortir complètement de cette situation. Et puis je me tourne vers mes trois autres camarades, genre complètement paniqués. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait? Alors moi, je pense que ce qu'on pourrait faire, c'est commencer par punir le timonier, qui est quand même celui qui nous a emmenés là, qui est un petit peu le responsable de tout ça. Je pense que ça ferait du bien à tout le monde. Je l'ai déjà puni. Non, tu l'as pas puni, c'était un moi, coup de lance. Moi, si vous voulez, je peux jouer de la musique pour détendre l'atmosphère. Pourquoi pas? Ah, mais c'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Et du coup, pendant ce temps, autour de nous, en fait, il y a la plage, le sable, les c'est débris ça. En fait du navire, les marins vivants et morts, et un peu au-delà devant nous. Puis tu vois qu'effectivement, vous arrivez sur des terres. Donc la déesse vous a dit que c'était une île, mais là où vous êtes, impossible de dire si c'est une île ou un continent, hein, parce que ça a l'air de s'étendre. Quand même assez imposant. Donc vous voyez un peu des herbes, des collines. Peut-être au loin, vaguement un arbre. Puis voilà, pour l'instant, pas de petite fumée de feu ou de cheminée ou quoi que ce soit. Ah là, t'es juste sur la plage, là, ce que t'envoies. Ouais. Non, non. Après, si tu veux aller faire un tour pour un peu faire l'éclaireur, tu peux. Hein. Bah, écoute, pas de soucis.